Nous allons prendre le canot. Je ne tiens pas à mettre en péril le Dreadful Whale. Il y a un petit quai dans les jardins de Syria, près du conservatoire. Je n'irai pas plus loin. On peut y aller ? Oui. La Grande Garde a posté des hommes à l'extérieur du conservatoire royal. À l'intérieur, mieux vaut vous préparer à tout. Ashworth fréquente toutes sortes de personnes. Ce seront eux, vos véritables adversaires. Un jour, il faudra m'expliquer comment vous avez rencontré Ashworth. Je comprends. Vous pouvez me croire. Ashworth est une pièce maîtresse dans le jeu de Delilah. Ce qui m'amène à autre chose. Vous pourriez peut-être utiliser l'abbaye du Kidam pour éliminer Ashworth. Il se trouve que le vice-superviseur de Karnaca surveille Ashworth à partir d'un avant-poste dissimulé près du conservatoire royal. Commencez par là pour découvrir de nouvelles possibilités. N'oubliez pas, Ashworth représente une menace sérieuse si elle est toujours de mèche avec Delilah. D'accord, Megan. À bientôt. Carapace de raclure d'eau comme souvenir. À quoi ça sert d'acheter du bois d'un pays où on n'a jamais mis les pieds ? Madame Chourcha a de l'argent, alors si elle veut du bois, elle aura son bois. Essayer de quitter Karnaca maintenant. Mais où est-ce qu'on peut aller ? Il y a de l'argent ici, même si c'est sale. Les mouches chez la crasse, on commence à avoir du mal à respirer ici. Deux pièces pour cette rincette. Très peu pour moi. C'est un vrai bouge de toute façon. Attention à un voyou armé d'un couteau maintenant. J'ai pas assez de problèmes comme ça. Vous avez une drôle d'allure avec ce masque. Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Je n'hésite jamais à admettre que j'ai peur. Et voilà. Je l'ai dit. J'ai peur. Il se passe quelque chose. Les 1200 sont répugnants cette année. Qu'est-ce que ça sera ensuite ? Je crois que je vais me prendre des bouchées de poisson. Hein ? Qu'est-ce que c'était ? Oh ! Jetons un coup d'œil aux alentours. Je ferais mieux d'aller voir. Non! Ah!
C'était mon imagination. Non, j'ai pas rêvé. Votre jour de chance, madame. Vous avez l'honneur de rencontrer Betty la pirate en personne. Allonge la monnaie si tu veux continuer à respirer. Jamais entendu parler. Hé, hey, vous ! Il ira nulle part. Videz-vous. Hé, prends une bonne bouffée d'air. Visez la tête. Revenez ici. C'est l'heure de mourir, fillette. Garde. Inutile de courir. Prends ça. Je vais t'éclater. Vous allez payer. Je parie que t'as jamais eu à trimer de ta vie. Je vais te tailler en pièces. Bienvenue. De toute évidence, vous êtes une personne raffinée. Bienvenue dans ma boutique. Dites-moi, une de mes connaissances est censée s'être réfugiée dans un bureau surplombant le conservatoire royal. Si vous passez par là, pourriez-vous aller voir si elle va bien? J'y serais bien allé, mais les rues sont bloquées. Je saurais vous récompenser. Je vais y réfléchir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Le quartier est devenu particulièrement calme depuis la fermeture du conservatoire. Bienvenue. Prenez votre temps.
Inutile de vous l'emballer, j'imagine. Très honoré d'accueillir. Cet achat, j'en suis sûr, vous donnera pleine satisfaction. Excellent choix. Voilà les améliorations que je peux vous proposer. C'était un plaisir de vous servir. Ici, les mouches de sang sont plus virulentes que dans n'importe quel autre quartier. Entrez, entrez! C'est toujours un plaisir de vous voir. Conservatrice royale. J'ai longtemps cru qu'elle avait des liens avec les cercles occultes de Karnaca. Il se passe quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Les superviseurs sont la force vive de l'abbaye. Mais l'ordre oraculaire sont tout aussi importantes. Pour parler sans détour, je trouve qu'elles ont un comportement anormal. J'ai décelé de subtils changements dans leurs proclamations. Des entorses à la tradition. Être accusé d'hérésie par mes rivaux au sein de l'abbaye. Est-il possible qu'Ashworth soit parvenu à compromettre l'ordre oraculaire? Ainsi, le vice-superviseur Byrne estime qu'Ashworth représente un danger pour l'ordre oraculaire. Si c'est le cas, c'est une raison supplémentaire pour l'éliminer.
Il était une fois un homme de la ville. Calais, la plus petite des anguilles. Il tirait dessus toutes les nuits, et petit à petit, grosse comme une murène, elle a grandi. Ça m'éviterait de l'entendre se plaindre que tout va mal depuis que le duc a succédé à son père. Qu'est-ce que je suis? Comme un bas sans jambes. Voilà ce que je suis. Rien. Moins que rien. J'aurais dû écouter ma mère et devenir coiffeur. J'espère que c'est rien de grave. C'est peut-être rien du tout. Vous avez entendu ça? Oh! Il se plante! Oh. Tout prêt!
Karmaka. Ma Karmaka. Ashworth est quelque part dans le conservatoire royal. On est les rois de cette grande cité. C'est votre duc qui vous parle. Et vous devez reconnaître ma voix. Une nouvelle impératrice a pris place sur le trône de Dunwall. L'héritière légitime d'Elila Kaldwin, première du monde. Puisse-t-elle régner pour l'éternité? Il est certains individus, des traits, qui remettent sa légitimité en question. Les nations de Morlaix et Tiga attisent les flammes de la trahison dans le nord terre des glaciales. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Peu importe combien d'entre vous il me faudra sacrifier, Serkonos se battra jusqu'à ses dernières forces pour Delila. Melinda, t'as l'air en forme. Enrico m'a demandé de... Quelque chose ne va pas? Ce qui est arrivé à Pearlton et au lieutenant Colbert. Si vous voulez mon avis, ils ont mis les voiles. Ils devaient sûrement fricoter ensemble. Non, elle a disparu un jour avant lui. Et quelqu'un a retrouvé un pistolet. C'est un traître. Un homme qui ne connaîtra pas le repos avant d'avoir transformé tout l'argent du sous-sol de ce pays en or sonnant et trébuchant. Je lui ai demandé de doubler le nombre des mineurs et il l'a fait. Sans poser de questions, sans se plaindre. Karmaka avait besoin de mineurs et il les a fait aimer, héberger, nourrir. Voilà les mécaniciens d'Arconiens qui ont mis à votre vie.
dit, reste sur tes gardes. Et je réponds, comme toujours. Et il dit, ouais, mais cette fois c'est sérieux. Laissant une longue traînée de sang sur ton passage dans une ville mourante. Brenna Ashworth aurait été bien malheureuse parmi la haute société. Contrainte d'épouser un banquier boursouflé. Ses rares moments de liberté, passés à boire dans les balles, et à s'éclipser pour coucher avec des inconnus. L'issue aurait été un mariage malheureux et un plongeon nocturne dans les eaux glacées de la rivière. Mais au moment où ses parents s'apprêtaient à la marier, il y a bien des années, elle a rencontré Delilah. Après ça, elle n'a connu que les cimetières et la fuite, sans jamais se retourner. Le vice-superviseur Byrne est un homme ambitieux, mais il croit en la mission de l'abbaye, à savoir protéger le bon peuple de l'Empire des gens comme toi et moi. Tu sais que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir la tête de Brenna Ashworth sur une pique. La tienne aussi, peut-être. Avec un masque, quelque chose comme ça. Attendez un peu. Oh,
Ça me fait pas peur. Putain, mon gars! Quelqu'un nous tire dessus! Demande qui c'était. Non, personne ici. Je suis toujours vigilant, toujours. Pas la peine de le dire deux fois. Comment je... Meuf... Qu'est-ce que c'était ? Y a quelqu'un ?
Ne m'obligez pas à chercher partout, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qui se passe ? C'était mon imagination. Non, j'ai pas rêvé. Ça les gêne pas au conservatoire ? L'endroit est plus ou moins condamné maintenant. Il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur. Ils ont reçu une commande d'automate de Gintosh. Bah, je sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais ça serait bien si la porte était un peu plus loin de la fontaine. J'aime pas ça.
Chacun cherche les ennuis. Il vaut mieux d'aller voir. Montrez-vous où vous soyez. Allez, on ne fera pas de mal. Thank you.
marche. Que je découvre comment Delilah, notre nouvelle impératrice, a pu survivre à un coup d'épée en plein cœur. Elle a abandonné après avoir essayé de créer des molosses sépulcraux pendant des semaines. T'aurais dû voir ses horreurs. Un enchevêtrement de queues, de dents et de museaux. C'est comme ça, chère Parmelia. Delilah porte la marque de l'outsider et une partie de ses pouvoirs se diffuse en... Ce n'était pas du mouton. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Ça n'avait pas du tout le goût de mouton. J'ai la chair de poule. C'est ce qui arrive quand on a peur.
ici, apparemment. On se concentre. Soyez prêts. Ce n'est rien, ma chère. C'est dommageable, mais je doute qu'il ait encore une utilité pour nous. Ils ont aussi emmené Sokolov. Qui voudrait de ce vieil imbécile? Peu importe. Tout se déroule comme prévu concernant la communion. J'ai hâte de murmurer à l'oreille des sœurs oraculaires. Oui, mon influence grandit chaque jour. J'ai partagé le rêve de l'une d'elles la nuit dernière. Nous avons bu à la fontaine de sa ville natale ensemble. Les soupçons du vice-superviseur Byrne étaient fondés. Cette histoire avec Jindosh ne changera rien? Non, il continue à expérimenter avec les lentilles, plus épaisses, plus fines, plus opaques. C'était un peu plus pénible. Les vieilles lentilles et les pièces inutiles sont toujours empilées dans mon atelier, mais Jindosh a terminé il y a quelques jours. Le reste dépend de ma capacité à utiliser la machine. C'est délicat d'atteindre le grand vide avec un tel appareil. Trivialité. J'ai hâte de l'utiliser moi-même, quand tu seras prête. Viendrez-vous bientôt? Peut-être. La situation est sous contrôle à Dunwall Tower. Le grand superviseur ne nous posera plus aucun problème. J'ai moi aussi un projet en cours. Chaque coup de pinceau m'emplit d'une excitation renouvelée. Quand je viendrai à Karnaca, nous boirons du vin à en perdre la tête. Je vous attendrai avec impatience. Garde un œil sur le duc pour l'instant. Au moins jusqu'à ce que nous ayons pris le contrôle des sœurs. Je ne fais confiance à personne d'autre. Je reprendrai contact dans la matinée. À bientôt. Au revoir, Delilah, mon impératrice. Qu'est-il passé? J'ignore qui vous étiez, mais ce n'est pas un endroit pour moi pour mourir. Ce Jindosh commence à m'agacer. Comment est-ce censé fonctionner?
Je n'aime pas ça. Je ferais mieux d'aller voir. Vous auriez pu rêver. Et dans votre petite bulle, je vais broyer mes
Maman, serais-je dans cette situation si tu avais survécu ? Peur de moi, n'est-ce pas? J'arracherai la peau de votre vie. Ashworth s'en dira peut-être plus sur l'invincibilité de Delilah. Ces drôles de lentilles sont peut-être liées aux travaux d'Ashworth. Aux yeux de ma chère famille, je n'ai jamais été guère plus qu'un mariage avantageux et une matrice féconde. Ils ont donné ma main à un homme de 3 fois mon âge, qui déblatérait sans cesse au sujet de notre nuit de noces. Heureusement qu'une chose incroyable est arrivée alors que j'avançais vers l'hôtel. Delilah, pour la toute première fois, je me suis échappée du manoir en pleine nuit. Tel un oiseau qui jamais ne retrouverait sa cage. J'ai contemplé les étoiles en buvant du vin sur les toits. J'étais libre. Au lieu de parler du mariage avec les superviseurs, j'ai rendu visite au banquier de mon père. Et j'ai quitté mon ancienne vie pour suivre Delilah. C'était les heures de gloire du cercle.
Venez à moi et laissez-moi m'immerger dans l'eau brûlante de votre adoration. Elle est la favorite de Delilah. Personne ne peut le savoir. Si ça se trouve, c'est moi la favorite. Pourquoi pas? Alors ça! Tu crois vraiment pouvoir me cacher ton visage, Émilie? Mon petit moineau aux ailes noires, enfin sorti de sa cage. Brenna Ashworth est morte. Espèce de petit enfant gâté. Tu n'avais pas le droit. Tu ne pourras jamais comprendre ce qu'elle représentait à mes yeux. Et que fais-tu de tout ce que tu as volé? De toutes ces vies que tu as gaspillées? Ça me revenait de droit. Tout ce qui s'est passé n'est qu'une énorme erreur. Mais sois sans crainte. Je me charge de rectifier le tir. Rends-moi mon trône et mon père. Viens les chercher, petite. Je t'attends dans ma tour.
Après la mort de Delilah aux mains de Daud l'assassin, sa magie disparut et le cercle fut dissous. J'avais entamé une nouvelle vie à Karnaca quand j'entendis un jour ces murmures depuis le grand vide. Ils me menèrent au duc qui les avait entendus lui aussi. Ensemble, nous avons œuvré pour ramener Delilah dans le monde des vivants. Tout a changé ce jour-là. C'était il y a 3 ans, chez Aramis Stilton. D'un bout à l'autre des îles, tous ceux qui l'avaient suivi à Brigmore et avant cela ont senti sa magie renaître. D'autres sont venus nous rejoindre, de nouveaux visages, du sang neuf. Aujourd'hui, Delilah est éternelle et immortelle. Elle tient Dunwall dans sa coupe et nous allons bientôt corrompre l'ordre oraculaire. Nous allons manipuler à notre avantage les rêves et les visions de ces sœurs prophétiques qui guident les pas des superviseurs. Thank you.
choix. Qu'est-ce que je suis ? Voilà ce que je suis. Rien. Moins que rien. C'est chaud ! Quelle agréable surprise de vous revoir. Heureux de vous revoir. Je vois que vous avez trouvé le prototype. Votre connaissance ne s'en est pas tirée. C'est un métier à risque, je le crains, mais inutile de nous attarder là-dessus. Je pense que vous voulez votre paiement. Voilà déjà votre prime, comme convenu. Je peux aussi vous donner des schémas dérivés du prototype pour améliorer vos outils. Et en guise de remerciement, je vous offre une réduction valable sur toute la boutique. Ça me semble correct. Entrez, entrez. C'est toujours un plaisir de vous voir. Inutile de vous l'emballer, j'imagine. Cet achat, j'en suis sûr, vous donnera pleine satisfaction. Alors voyons, j'ai des plans d'amélioration pour votre équipement.
J'ai hâte de pouvoir ouvrir de nouveau ma galerie. Excellent choix. N'hésitez pas à revenir très bientôt. Alors, c'est fait. Le problème à Schwer s'est définitivement réglé. Bien. Mais, Emily, j'ai autre chose à vous dire. Quand je vivais à Dunwall, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. N'est-ce pas requis pour devenir citoyen ? Je suis très sérieuse. J'ai connu Delilah et Ashworth. J'ai cru leur boniment, ce qui m'a poussée à commettre de graves erreurs. Pour être tout à fait franche, je croyais encore récemment que Delilah était morte. Il fallait que je vous le dise. Même si je ne suis pas prête à entrer dans les détails, il y a des choses que je regrette. En qui peut-on encore avoir confiance ? Tout le monde fait des erreurs, impératrice. Un jour, il faudra que vous me révéliez vos secrets. On peut partir maintenant ? Oui, allons-y. Ramenez-moi au Dreadful Whale. Nous voilà encore un peu plus près du duc de Cerkonos et de Delilah.